Celle-ci, elle a pris à l'instant même où la nymphe elle est tombée dans l'eau. Vraiment dans l'eau. À l'impact. Si la ligne elle n'est pas en place au moment même où les nymphes elles touchent l'eau, la plupart du temps on passe à côté. Ça a déjà relâché quand même, ça a déjà touché. Là-bas, même s'il y a très peu d'eau, j'ai envie de faire, quelques passages. J'étais en 2-8 là. Je repasse en 2-4. Ça fait plusieurs fois que je fais varier en fait ma pointe. 2-4, 2-8. Ça passe vraiment le plus proprement possible. Et je suis quasi sûr que si je reste en 2-8 là-bas, ça va pas. Ça va pas bien pêcher sur toute la dérive. Je pense que le 2x2,4 au moins sur les premiers mètres, il va être bien. Il faudra que je rechange à nouveau dans quelques mètres.
Ok, bon. Allez, on est pour tour. Cool. Là, le petit poubine était sympa en face là-bas, je suis content. Alors, on est le 12 septembre 2023, on est en Espagne avec Hugo, et on a déjà bien pêché ce matin sur tout un secteur qu'on ne connaissait pas du tout. Là, c'est la quatrième fois que je vais en Espagne, c'est le quatrième mini-séjour, on va dire, de repérage. Et là, avec Hugo, aujourd'hui, on couple deux jours de repérage avec de la vidéo. C'est-à-dire que, a priori, on va que sur des secteurs qu'on a
qu'on n'a jamais fait, quoi. Donc ce matin, ce qu'on a fait, c'était pas mal. On a pris 16 poissons, je crois, quoi. C'est pas du tout exceptionnel pour les zones sur lesquelles on est. Mais ça m'a permis de pêcher des secteurs qui sont très praticables pour les guidages, quelles que soient les facultés de la personne à se déplacer, quoi, dans l'eau. Quoi. Et donc ça, c'est très positif pour un repérage. Là, on va aborder quelque chose de déjà plus compliqué. Il y a tout un tas de veines qui sont accessibles, mais après c'est vraiment beaucoup trop loin. On ne peut pas avancer dans la rivière, il y a trop d'eau, il y a trop de jus. Mais quand c'est comme ça, là, ne serait-ce que pêcher les bordures, déjà ça peut être vraiment très très bien. Ce matin, on a pris les poissons aussi bien en nymphe. En fait, on a commencé pleinement en nymphe, et à un moment donné, on s'est mis en sèche. Il n'y avait pas spécialement de gobage, il y avait peut-être un gobage ici ou là, mais il n'y avait rien installé. Et les poissons, ils sont quand même montés en sèche. Donc ça, c'était bien aussi. Même par eau relativement basse, en pêchant l'eau en sèche, bah, les poissons, on les faisait monter. Il y en a un joli sur lequel je casse misérablement. Comme en nymphe en début de matinée, d'ailleurs. Autant ce matin, j'ai fait des pêches très légères. J'ai beaucoup pris en 2-4, 2-4, 2-4, 2-8, 2 fois 2-8. Je crois que je suis pas beaucoup monté au-dessus, un petit peu, quoi, mais à peine. Là, ça va peut-être pas être la même, bien que sur la bordure, il faut que je commence quand même léger. 2-8, on va faire 2 fois 2-8 pour commencer ça. Donc là, on a vraiment beaucoup de blocs, on a vraiment des courants puissants dedans, quoi. Mais je vais quand même pêcher très léger, parce que si j'alourdis dès le départ, moi, j'ai toutes les chances d'accrocher plutôt des blocs que des poissons forts. Et ça va me permettre de pêcher vraiment dans le pas d'eau, d'aller voir comment la ligne elle rentre dans certaines zones, parce que les blocs permettent justement aussi de trouver des points d'impact des nymphes qui vont permettre leur pénétration au bon niveau. Donc je m'emballe pas à commencer très lourd de suite. Il manque peut-être pas grand chose, mais mon réglage de ligne, il est pas bon. Ça rentre pas suffisamment dans la veine. Donc j'étais en 2-8, là je vais passer en 3. Et là, au niveau de mon micro-anneau, je vais raccourcir de 10 cm à peu près. Je vois un peu trop long. Je suis un peu trop loin entre mon micro-anneau et ma nymphe de potence. Donc là, je suis passé au même endroit que tout à l'heure, sur la même dérive, mais avec la ligne reconstruite. Et le poisson, je l'ai pris là. Je me demande si j'ai pas eu une touche à la dérive d'avant. Même. Je suis pas sûr à 100%. J'ai eu peur d'accrocher, j'ai enlevé. Quoi. Et j'ai senti un truc bizarre. Quoi. Donc là, il y a un poisson trop mal. Hop là. Et même si on n'est pas sur des poissons énormes, là sur cette rivière, ils ont du jus, quoi. Et il ne faut pas les laisser faire. Sinon c'est mort. Sinon on dévale là-dedans là et c'est impossible. Il faut essayer de les brider dès le départ.
Ok. Enfin, joli poisson, en fait, c'est le premier joli poisson de la journée. Ouais.
Bueno. Allez, encore une. Allez. Bon, monsieur Hugo, journée terminée, quoi. Bon, on fait une journée sympatoche quand même. On fait 35 poissons dans la journée, 16 ce matin, 19 cet après-midi. Avec ce qui était chouette en fait, c'est qu'on a fait des poissons en alternance, en mince et en sèche. Ça m'a même fait en sèche mince avec de la soie. Une chouette journée, la taille. Ah, c'est quoi, la taille. La taille moyenne, elle est pas folle pour cette rivière, mais bon, bah, ça fait une belle journée. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau repérage, on a pêché que des zones qui sont accessibles pour quasiment tout le monde. Et donc ça, c'est chouette pour les guidages après derrière. Rendez-vous demain matin pour une autre session, une journée. Là, on va boire des bières et manger des tapas. Voilà Hugo, on aborde là une seconde journée de pêche. Donc hier c'était plutôt bien. On s'est quand même régalé. Là on est sur une belle veine. C'est très lisse, mais il y a une grosse veine marquée là-bas avec quelque chose de quand même assez profond, quoi. Tout serait possible là, dès le matin. Aussi bien pêcher en sèche, il y a eu un gobage là-bas tout à l'heure qu'on va peut-être essayer. Toutes les techniques sont envisageables, c'est même difficile de choisir. En fait, c'est ça qui est bien, on peut vraiment alterner. C'est ce qu'on a fait hier, l'alternance de la sèche et de la nymphe, là c'était chouette. Hein.
c'est assez sympa parce que je prends plus de poissons en sèche qu'en offre. J'en prends pas en fait en offre, je crois. J'en ai pas pris. J'ai pourtant des belles coulées, des trucs plutôt sympas. Ça pêche bien, ça pêche propre en offre. Mais j'ai pas une touche. Et par contre, même si c'est pas des gros poissons, sur la sèche ça monte. On va continuer à alterner plutôt. Super intéressant de voir ça. Et là on est sur du secteur pour les initiations de pêche à la mouche. Ça c'est vraiment très 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 bien. Enfin, c'est dégagé. Il y a des zones, beaucoup de zones avec des petits radis, des lisses, des arbres, jusqu'aux yeux là. Quoi. Les poissons ont l'air de monter gentiment. Enfin, première fois qu'on vient là, c'est chouette. Allez, on continue. J'étais en 2x3-2.
Et ça rentrait plutôt bien, mais il manquait un petit quelque chose. Et à la 3-5, dès la première dérive, ça pêchait beaucoup mieux. Alors, ça pêchait un soupçon mieux, mais juste ce qu'il faut. Ça a l'air de vouloir commencer à rentrer un peu. J'ai cassé ma ligne, je la remonte. Aujourd'hui, alors autant hier on avait une journée quand même où c'était une bonne journée. Après, c'était pas une journée incroyable pour cette rivière. On a vu mieux en taille moyenne de poisson, même en nombre. Et là, par contre, aujourd'hui, on voit que les dures réalités de la pêche font que ça peut se transformer en quelque chose de vraiment difficile. Et j'entends souvent ça sur cette rivière quand même, où c'est vraiment bon. Et puis y a des jours, de temps en temps, comme ça, où les poissons, il faut quand même vraiment se les gagner. Après, quand on pêche toute la journée comme ça, on a quand même beaucoup plus de chances de trouver des ouvertures favorables. Et là, ça va peut-être être maintenant. Pas du tout impossible que ça se décante vraiment. Je suis en 13, du coup je tire pas trop dessus. Et ça glisse tellement, si je fais n'importe quoi, si je déballe là, je prends mal.
compris qu'elle était à tomber là depuis ça, c'est pas du tout. Ah ouais? Premier arc-en-ciel que je fais sur cette île. Ouais, jamais. Bon, on vient de s'arrêter sur la route là, on est sur le retour de notre petite excursion espagnole dans les Pyrénées espagnoles. C'était bien pour toi, Hugo? Ouais, c'était trop cool. Ok, cool. Je me suis régalé aussi, c'était vraiment chouette. Hein. On a fait deux journées bien pleines quand même, on a beaucoup pêché. C'était de la découverte sur le plan
de secteurs de pêche, des nouveaux secteurs quoi, sur lesquels j'étais jamais allé. Quoi. Donc on a consacré un jour et demi largement à ça. Il n'y a que sur le finish où on est allé sur un secteur que j'avais déjà pêché, parce que la deuxième journée elle était vraiment beaucoup plus difficile que la première. Sur la première journée, sans connaître du tout les endroits où on est allé, même si c'était pas exceptionnel, on a quand même rentré véritablement du poisson. Et le deuxième jour c'était un peu plus dur, bien plus dur. Et on a voulu, sur les dernières heures, c'était trop tard pour aller à l'aventure, quoi. Donc on est allé sur un secteur que j'avais déjà pêché, quoi, qui semblait plutôt une valeur sûre. Et effectivement, on a pu compléter notre deuxième journée avec notamment de la pêche en sèche, là où c'était vraiment, vraiment agréable, avec des poissons gobeurs, un peu de toute taille. Malheureusement, le plus joli, je le décroche en fait à la fin. Quand, à la toute fin, là, il faisait noir, j'étais fatigué, j'avais plus trop de jambes et ça glissait énormément sur ce dernier secteur. Et dans le noir, je me sentais pas trop de dévaler la rivière. C'était pas jouable là. Et puis je me suis manqué lamentablement à la puisette la première fois. Enfin, disons que j'aurais pu le mettre en forçant un peu. Sur le côté technique de la pêche, c'est vraiment une rivière sur laquelle on peut travailler énormément de choses, que ce soit en nymphe, hein, sur des pêches légères parfois, quand, voire très légères, mais aussi quand la rivière elle tube fort, il y a vraiment, vraiment moyen de pêcher complètement différemment, et donc ça donne des variations possibles dans ce qu'il y a à faire qui sont assez énormes. Les poissons en sèche, là pour le coup, plus j'y vais, plus j'y viens sur cette rivière, en fait, plus je pêche en sèche et plus je vois qu'on peut les faire monter un peu à n'importe quel moment de la journée. Alors c'est peut-être pas vrai toute l'année, toute la saison, j'en sais rien, mais là pour le coup en tout cas, c'était le cas la dernière fois aussi, quoi. La dernière fois c'était fin août je crois, et là on est septembre et voilà, les poissons ils étaient joueurs, ils montaient. Donc très bien, ça permet vraiment de travailler la pêche en sèche proprement. Le cheptel de poisson, quoi, il est là, il est présent, mais par contre c'est pas de la pêche facile. On peut pas juste lancer la ligne comme ça et puis attraper des poissons, quoi. C'est faut vraiment que les passages soient justes, que techniquement ça ce soit propre, donc on peut avoir tendance à entendre dire que les rivières espagnoles et tout, la pêche elle peut être facile et tout. Il y a tellement de rivières espagnoles dans les Pyrénées là que je pense qu'il n'y en a aucune qui est la même, comme en France en fait, hein. Et là on est sur une rivière qui nécessite une exigence technique, hein. Par contre, quand on a ce minimum de technicité, on est quand même bien payé, quoi. C'est, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement dans la réussite que ce que je peux connaître en France, dans notre partie des Pyrénées, là, quoi. Qui est chouette, hein. Il n'est pas du tout question de dévaloriser ce qu'on a en France, parce qu'il y a plein de belles choses aussi. Il y a plein de belles rivières. Elles ont toute une exigence technique qui est vraiment folle, quoi. Souvent le stage de pêche, hein, que ce soit avec n'importe quel guide de pêche, hein, quand, c'est vraiment la chose qui permet de faire un pas en avant dans la compréhension, quoi. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain la personne va prendre des tas de poissons, mais elle commence à passer un cap sérieusement, quoi. Si elle s'en donne les moyens, hein, c'est comme tout, ça se travaille, la pêche. Le pêcheur qui n'a pas les bases élémentaires dont on vient de parler, hein, pour la France, il ne fera pas des miracles non plus ici, hein. Moi-même, j'ai des tas de choses à améliorer pour aller encore plus loin, pour pêcher encore plus propre. Quel que soit notre niveau de pêche, on a toujours des choses à apprendre. Et là,
pour moi-même, hein, c'est super intéressant parce que je peux... là, on a couplé un peu tout, on a fait du repérage, on a fait du, donc, 2 jours qui vont permettre, a priori, de faire une vidéo sympa. Et puis, j'ai bossé des trucs techniques. Donc là, 2 jours de pêche intensive, ça permet vraiment d'aller plus loin dans certaines approches, de tenter des choses, ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins de les tenter. Et après, à la pêche, pour se faire plaisir, je pense que... C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, Hugo, c'est que au niveau matériel, les choses elles doivent être assez nickel dans la préparation. Quand... Alors après, ça, c'est des choix hein, par rapport aux personnes. Il y a des gens qui aiment plutôt être à l'arrache, d'autres qui aiment être hyper bien préparés. Moi, je suis plutôt à l'aise quand je suis hyper bien préparé. Et là, il y a des trucs qui n'allaient pas. Hein. Heureusement que la vidéo, elle gomme un certain nombre d'erreurs parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas belles. Mais c'est pas grave, c'est voilà, c'est des choses que je vais essayer de rectifier parce que en fait c'est super important pour moi pour se faire plaisir à la pêche. Il faut que ce soit pleinement acquis, toutes les petites choses qui nous embêtent et qui nous permettent pas de pêcher suffisamment propre. J'ai beaucoup pêché avec une canne sur le côté prémontée. Et ça, j'ai très peu d'occasion de m'entraîner de cette manière-là. Quoi. Et donc, juste se mettre une canne comme ça, c'est particulièrement... ça peut être particulièrement pénible si c'est pas bien géré. Quoi. Mais en même temps, c'est génial parce qu'on peut passer de la nymphe à la sèche en un clin d'œil. Là, la rivière, souvent, elle était, sauf sur la fin où j'ai enlevé cette canne, elle était suffisamment large pour se permettre d'essayer ça, même quand on n'a pas l'habitude. Et moi, j'ai adoré ce truc. Toi aussi, je pense, Hugo, de pouvoir faire cette alternance sèche-nymphe hein, avec 2 cannes différentes. Et du coup, les 2 sont optimisées. Quoi. La canne nymphe, elle est vraiment parfaitement optimisée pour la nymphe et la sèche pour la sèche. Et il n'y a pas de méli-mélo, il n'y a pas une canne qui reste en arrière là où il faut aller la chercher à 100 mètres. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça ne s'improvise pas et on voit bien que les compétiteurs de très haut niveau, ça, c'est des choses qui maîtrisent parfaitement, mais ils l'ont pas, ça vient pas comme ça, quoi. Ils l'ont bossé. Quoi. Et donc je parle de ce truc-là, mais il y a des choses. Ma boîte là, ma petite boîte de rapidité là, qui se cassait la figure. J'ai un nouveau chest pack parce que l'autre, il a rendu l'âme. Ça va pas. Ça se prend. La boîte, elle tombe. Ça se prend dans la soie. Et du coup, voilà. C'est tous ces petits détails là. Sur le plan matériel qu'il faut absolument optimiser pour rendre la pêche plus agréable. Là on est au-delà de la technique pure en fait, on est avant la technique pure, on est juste dans un confort pour pêcher proprement. Quand j'ai bien bossé la sèche, là je peux aller encore beaucoup plus loin, en France on peut le faire aussi, mais par exemple, sur le Vic de Sceaux, en France, une rivière que je pêche beaucoup, c'est tout à fait possible de faire monter des poissons en sèche régulièrement. La plupart des pêcheurs ont quasi abandonné ça, en fait. Quoi. Pas tous, hein, mais alors que c'est tout à fait possible. Après, il y a des rivières... ça dépend complètement des rivières, en fait. Il y a des rivières où c'est vraiment plus que dur. Donc on peut le faire en France, mais ça mentalement c'est beaucoup beaucoup plus difficile quoi. Là j'ai pas eu besoin de me battre comme un fou pour faire monter des poissons quoi. Donc ça aide tout de suite pour s'améliorer, pour travailler des gestes techniques, pour essayer plein de mouches différentes, des travailler sur les volumes, les couleurs, les ça c'est vraiment chouette, c'est un vrai plus pour progresser dans la pêche. Dernière petite chose que je voudrais ajouter, c'est juste te remercier pleinement Hugo de ton travail depuis 3 ans je crois, hein. Ça fait 3 années qu'on fait une vidéo de temps en temps et vraiment c'est chouette, moi ça m'a permis pleinement de développer mieux mon activité sur les choses qui m'intéressent le plus.
Et ça, c'est génial. Tu fais un bon travail qui est comment qui, j'ai plein de retours de pêcheurs qui ont vraiment apprécié ce que tu fais, le montage. Et donc, cool. Je te remercie beaucoup. Ouais, je crois aussi. À la fois du travail, du plaisir, des bons moments, là c'est cool quoi. On va à la pêche ou on va pas à la pêche?